on se retrouve pour un haul Jiffy. Vous le remarquerez peut-être, peut-être pas. Je ne le tourne pas avec mon réflexe. Habituellement, les hauls, je les tourne avec le réflexe. Là, j'ai voulu tester avec mon téléphone, ce que j'utilise pour faire mes vlogs. Pour ceux qui me découvrent que maintenant, je fais également du daily vlog. Je publie environ 5 vlogs par semaine. Voilà, parfois c'est un petit peu plus, parfois un peu moins, mais non, la moyenne c'est ça. Si vous êtes intéressé, que vous vouliez découvrir ce que je fais, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. J'ai donc reçu une nouvelle carte cadeau de la part de Jiffy. Alors essentiellement, on va être sur de la déco, il y aura même un meuble de rangement que je n'ai pas monté. Si vous voulez voir un petit peu le rendu, je vous invite à me suivre dans mes vlogs, ça sera dans le vlog normalement demain. Voilà. Je commence avec le premier article. C'est 4 petites tasses à café, mais petits, hein, pour faire des espresso. Ce qui m'a vraiment séduit, bon, hormis les designs et puis le graphisme sur chaque petite tasse, c'est vraiment le fait qu'il y ait une petite sous-tasse, on va dire, en bois. C'est vraiment très mignon. Regardez-moi ce motif. Alors, on est d'accord que c'est un motif très, très hivernal. Moi, ça me plaît beaucoup. Également, ce motif, hein, Hello Winter, très mignon. Des petits nœuds comme ça, tout simple, des petits nœuds papes et des étoiles. Je trouve que c'est un très joli coffret. Ensuite, j'ai trouvé cette horloge murale London en bois. On a également la fixation qui est effet cuir. Si vous me suivez, j'ai acheté des suspensions. Je pense que c'est la même collection, donc toujours chez Jiffy. Ça sera pour mettre dans cette pièce. C'est super joli. Je regardais s'il y avait d'autres villes, donc on est vraiment que sur London. Ça ira sans doute à côté des autres petits cadres, hein, que vous voyez. Alors derrière, on a le mécanisme. Il faut mettre la petite pile et c'est parti. Vous avez vu la couleur. C'est un violine qui est ravissant. Et surtout, voilà, donc on a les deux. Ils étaient dans un bac à 5 euros. C'est-à-dire que chaque coussin était à 5 euros. On avait d'autres motifs, mais alors ceux-là, il n'en restait plus que deux. Je les ai pris direct. Ils sont magnifiques, donc on est sur un 40 par 40. Et bah pareil, hein, déjà la housse est lavable. J'ai pas vérifié si elle est lavable à 30. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je ne sais pas encore dans quelle pièce elle ira, mais elle trouvera sa place, c'est évident. Ce cadre carré avec le bois, la fixation toujours en cuir gris, c'est la même collection que ce qu'il y a au mur, que bah, l'horloge. Ça, elle va aller dans cette pièce. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et la dimension, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment un bel objet décoratif. Et ensuite, ça pèse une blinde. Il s'agit d'une penderie blanche et bois. Normalement, elle doit aller pareil dans cette pièce. Mais vu que j'ai déjà mis des choses au mur, je sais pas. Sinon, ça peut aller dans une autre pièce. Mais elle est tellement jolie. Elle fait 1,70 m de hauteur et elle fait 1 m de largeur. Vous avez vu, on a des emplacements pour mettre bah, les t-shirts bien pliés, des chaussures, des accessoires et une partie penderie avec des petits cintres. Je vais mettre des petits cintres marron clair pour aller avec l'ensemble. Ça va être top. Je la monte demain, comme je vous disais, et je pense que vous pourrez la voir dans le vlog de demain. Ça a l'air super sympa. J'espère que ça va être simple à monter parce que je ne suis pas la reine du montage. Hein. Oui, c'est ça. Donc 1,70 m sur 100. Et vous avez vu le prix, ça vaut vraiment le coup, je trouve. Et voilà, c'est tout pour ce petit haul. Je vous avais dit, hein, il y a quoi, 5, 6 articles. C'est bien suffisant. Je vous en ferai un autre parce que, comme j'avais expliqué, j'y allais pour le blanc, la sortie du blanc et tout ça, mais c'était pas encore fait. Ça va être dans 2-3 jours. Je pense que j'y retournerai. Je vous ferai un haul avec tout, bah, toutes les nouveautés si jamais j'ai une nouvelle carte cadeau. Ils m'ont également donné, on va dire, en avant-première, le petit magazine avec les soldes bah, qui va sortir le 9. Hein, c'est mercredi 9, les soldes. Voilà, il y a pas mal de petites choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite bien évidemment bah, à la liker, à me rejoindre en vous abonnant à ma chaîne. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à demain pour un nouveau vlog. Salut!